Chers étudiants, chers diplômés des 3 UT, ITC, ITBM et l'UTT, en tant que président du groupe UT, je tenais à vous féliciter. Tout au long de vos études, par tous vos choix, vous êtes forgé un profil, mais pas seulement, par la richesse de la vie du campus, par vos semestres internationaux, par vos stages, vous avez vécu une expérience fondatrice pour votre vie future. Je vous souhaite de continuer de grandir en homme honnête, aujourd'hui on dirait femme et homme honnête, comme disait Boileau, des personnes qui ont appris à savoir, à converser et à vivre ensemble. Nous avions, quant à nous, le devoir de vous former pour relever les défis du monde. Nous pouvons vous faire confiance pour contribuer à un futur désirable. Vous en avez le pouvoir. Alors merci. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci pour votre engagement demain. Maintenant, c'est nous qui pouvons compter sur vous. Vous voilà jeune diplômé aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent avenir professionnel, mais deux, trois mots autour de tout ceci. L'un, le premier, c'est que vous aurez des décisions à prendre dans le futur. Quand vous avez des décisions à prendre, si elles vous remontent, si vous êtes en responsabilité, c'est qu'elles sont difficiles. Alors, il faut vous raccrocher à des valeurs que vous avez pu apprendre, notamment au travers du département TSH, des valeurs et tout simplement penser à la planète que vous laisserez à vos enfants. Déjà, c'est un bon guide. Chers diplômés 2017 des universités de technologie françaises, l'UTBM, l'UTC et l'UTT, je vous adresse en mon nom propre et en celui de l'ensemble de la communauté de l'UTBM nos meilleurs vœux de réussite professionnelle pour votre future carrière. Je vous souhaite également de ne jamais oublier qu'être diplômé d'une UT, c'est avoir appris que le fait technique est aussi un fait social et que l'homme doit toujours être placé au cœur du processus technologique. Je vous souhaite donc en cela d'être des technologues citoyens, toujours pleinement conscients des enjeux de la technique, qu'ils soient éthiques, sociétaux, économiques, environnementaux, etc. Enfin, et selon l'expression consacrée, je vous souhaite bon vent.